Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Underground, toujours accompagné de Ropek, qui cette fois-ci a fait Mumuse. Ouais, je viens de découvrir un truc, voilà, hein, je m'éclate. Voilà. On est passé en 1.11.2, je crois. C'est ça? C'est la 1.11 actuellement. 1.11.2, ouais, 1.11.2. Donc du coup, pour les Elytras, c'est cool. Le seul souci, c'est qu'il n'y a aucun mode qui s'est mis à jour. Et du coup, c'est un peu caca. Le mode principal qui m'emmerde, c'est Replay. Minecraft. Pourquoi Minecraft? C'est Replay qui permettait justement de faire les cinématiques de quand on build des grands trucs, et on a quand même continué à build un petit peu entre temps, mais du coup on n'a pas de vidéo pour vous malheureusement. On espérera que ce soit réglé d'ici la prochaine fois. Au niveau des constructions qu'on a fait depuis la... Mais t'as juste besoin de fusées maintenant, Ropek. C'est justement l'intérêt majeur. Donc je... Ouais. Donc j'ai réussi à choper un Sweeping Edge 3 dans une forteresse du Nether. Un quoi? Sweeping Edge, le nouvel enchant qui permet de faire en sorte que quand tu tapes avec l'épée, ça fasse des dégâts presque égaux à tout le monde. Au lieu de 1 aux autres et les dégâts principaux à celui d'en face. Du coup, ce qu'on a construit... Alors, j'ai agrandi l'usine à mob. Le souci, c'est que les creepers sont plutôt, comment dire, sensibles maintenant. Et voilà, ils ont réussi à... Il y en a un qui a réussi. Oui, on va dire que on sait pas comment. Les couilles. Il y en a un qui a réussi, on sait pas comment, à passer à travers la vitre pendant que j'étais en train de regarder dans le coffre qui était en dessous. Du coup, il a fait péter. Et tous les autres mobs se sont barrés. On a fait « Eh merde !» Voilà. Donc pour l'instant, ça produit bien, hein, contrairement à ce qu'on avait avant. Là, y a de la cadence, hein, clairement. Peut-être faire en sorte que ce soit gérable, par contre, ce serait sympa. Après, du coup, donc, on va construire la salle des coffres, parce qu'on en a marre d'avoir du bordel de partout. Hein. Tiens. Terreur, tu cours comme ça? Tu sautes. Bon, loupé. Voilà. What the fuck? Fais gaffe par contre. C'est les... Je les ai chargés avec 3 poutres de creeper, du coup, être propulse assez vite et assez loin. Mais dis-moi-le. Ouais, c'est stylé, c'est pour ça que je voulais passer... Enfin, faire la mise à jour. Fais gaffe quand même. Au niveau des mods qu'on n'a pas à jour, donc il y a le full bright. Là, ça va être problématique pour les constructions, etc. Donc on va pas trop partir explorer pour l'instant. Et la minimap, c'est bon, elle s'est mise à jour. Au début elle était pas, mais là on l'a nouveau. Il y a 2-3 autres mods que j'aimerais bien avoir à jour, mais bon, c'est pas indispensable. Quand un mod qui s'appelle IRL. Il est pas encore à jour. Ouais, mais j'ai pu penser après. Bref, donc voilà, ça c'est les bases. Après, il faudra faire la décoration, mais c'est censé faire une énorme grotte. Ouais, alors on a mis une pierre là-bas. Non, ça c'était pour le World Edit que j'avais mis celle-là. Donc on fera une espèce de grotte qui passera en diagonale comme ça et qui arrivera là-bas pour faire un truc un peu plus naturel. On aura un petit truc pour passer à l'étage au-dessus, vive la 1.11, c'est ça? Mais casse-toi! Ah, le mec! Mais casse-toi! On est passé à deux! C'est pas censé passer à deux! Bah si, la preuve! Voilà, bon là c'est la version chiante, je pouvais pas trop construire ici, parce qu'il n'y a pas trop la place. Là c'est la version finale. Il suffit de marcher comme ça, hop, ça nous monte. On clique ici, hop, on redescend, et puis c'est bon. Je te rappelle qu'il y a un cooldown après utilisation. Je rollback. C'est pas s'en servir. C'est que quand tu t'enlèves, ça réinitialise le... Enfin, si tu restes trop longtemps, ça réinitialise le cooldown. Enfin bref, voilà. Le système est assez simple. On a juste le fil pour détecter
Enfin, pour pas qu'il y ait besoin d'interrupteur. Ça envoie un signal, ça c'est pour couper, histoire que quand on s'enlève, ça réenvoie pas un signal. Là c'est pareil pour que quand on descende, ça nous fasse pas remonter juste après, ce serait un peu con. Là on a mis un système avec... Tu as mis. Oui, j'ai mis un système, donc ici c'est alimente... Ah tu j'ai mis. Ok, alors ici ça augmente, enfin ça permet d'alimenter le piston qui fait remonter le... Enfin ce piston là quoi. Là on a, j'ai mis deux tics de décalage pour bah, pouvoir tout faire revenir d'un coup. Et là en haut c'est juste histoire de faire descendre le signal redstone. Et ils sont où les feux d'artifice gérer. Dans le créatif. Voilà. Au final c'est quelque chose d'assez simple. On va passer à la construction dans... Enfin juste après. On va juste récupérer les quelques ressources qui nous manquent encore et on se retrouve là-bas. Bubs bub. Du coup nous revoici, quoi, 10 minutes plus tard, le temps qu'on ait fermé assez de bois pour faire la salle, Ropec a déjà placé les marqueurs, faut juste agrandir les poutres. Chut, et Qu'est-ce qu'il y a? Ah j'ai rien dit. Bah je sais pas, tu peux rigoler. Bah oui mais j'ai rien dit. Et... Bah tu vas rigoler par rapport à quoi? Bah qu'il faut agrandir la poutre. Petit dégueulasse. Alors, tu je n'as pas honte petit, d'être déjà aussi vulgaire. Dégueulasse après, ça dépend des points de vue. Ça va être relativement chiant quand même. Déjà si tu es petit, t'es plus petit que moi. Oh merde, c'est toi qui es plus petit que moi. Non mec, j'ai grandi. Mon cul. Tu fais un mètre combien? Non, toi d'abord. Tu me fais battre combien? 1,84. On fait la même ligne. La dernière fois que je me suis mesuré, je faisais 1,84. Ouais, moi j'ai des cheveux. Si je les mets en l'air, je t'explose. Si je me fais une niveau moi, quoi, une tu sais en là l'air, je t'explose. D'accord. Pardon. Mec, si je me fais une iroquoise, clairement, je fais 2,50 m. Allez, bah les couilles. Pas mal, pas mal. Bon, ça c'est fait. Ensuite... Presque. Mais où? Ah attends, il y a un bloc qui s'est pas enlevé. Et arrête de me taper, je t'ai déjà dit, c'est chiant. T'es pas tapé. T'es casse-couille quand même. Non, genre, du vraiment, coup... je t'ai pas... Non, vraiment, je t'ai pas tapé. Tu m'as tiré une flèche, connard. T'es pas tapé. T'es pas. Ça reste bon. Des trucs qui font mal. Du coup... Ah putain, elle est passée au-dessus de ta tête. Je t'ai même pas touché. Je t'ai même pas touché. Ah, je sais pas, je me suis dit que t'avais planté, tu bougeais plus. Pourquoi tu mets feu là, bâtard? Presque. Ça va quand même être hardcore de gérer les élytras dans nos couloirs. Bon, du coup, je disais. Là, va falloir faire les escaliers. Donc, si bon, on va y aller direct, hein, pas besoin de faire plusieurs allers-retours, sinon ça va être chiant. Tac. Je crois clairement qu'il faudra en refaire. Tu peux venir, je sais pas, bosser un peu de temps en temps. Oui. Faire quoi? Fuck. Ouais, alors, non pour les feux d'artifice dans la main gauche. Pour bah, faire les escaliers, etc. Enfin, je sais pas. On est en train de faire quoi là, à ton avis? Putain, mais le casse-couille. Tu m'as mis feu tout à l'heure, je me venge. Le casse-couille.
de paix. Bon voilà, on se retrouve quand on a fini de mettre tous ces escaliers, hein. Parce que je sens que ça va être long. Et nous revoici maintenant, on a quand même pas mal avancé la salle, on a pas fini, ça c'est sûr. Mais ça ressemble déjà plus à quelque chose qu'au début. Au niveau rangement, on a quasiment tout rangé. D'ailleurs j'ai oublié de mettre une lumière sous le piston. Donc l'ascenseur fonctionnel, la déco pas tout à fait. Donc là on a fait un pattern au sol à chaque fois en fonction des ressources qui y sont stockées. Et en fait, il s'avère qu'il nous reste pas mal de place. Donc on sait pas encore ce qu'on y mettra. Ouais, comment en avoir facilement des émeraudes, hein. Sérieux? On a un clair ou pas? 16 charbons pour des émeraudes, mec. T'as vu la quantité de charbon qu'on a? Vas-y, je vais péter. Donc on a... Enfin, j'ai encore réussi à transformer quelques PNJ. Et on a eu un... j'ai dit que c'était quoi la traduction? On a eu un crétin, un boulet. Voilà, un boulet, un crétin. Un ropec. Un chômeur. Ça, un chômeur, c'est moi du coup. Mais voilà, en fait, je savais pas, parce que je savais que ces PNJ ne faisaient rien, mais quand on traduit leur profession, en fait, c'est qu'ils en ont pas. C'est des PNJ qui servent à rien. Et du coup, c'est triste. Enfin, ils servent à faire l'appât pour les zombies, ils servent à faire de la reproduction, mais c'est tout. Bref. Du coup, ah oui, c'est tellement cliché. Ah, c'est ça. Du coup, il est où le PNJ? Putain, il s'est barré où ce con? Donc je m'en fous. Lui c'est 16. Ils savent pas monter aux échelles les PNJ? Non? Semble pas. Bon tant pis, je vais aller voir avec toi. Ah putain, qu'est-ce qu'il fout là-haut? Connard. Donc voilà, on a un cartographe. Et on se demandait, donc pour finir l'épisode, est-ce que... par hasard, on pourrait pas trouver une Woodland Mansion avec le cartographe Vanilla, vu que là on utilise un plugin pour la génération de la map, ça risque, enfin ça les aura déplacés, c'est quasiment sûr. Je sais même pas si elles se sont activées d'ailleurs. Ouais, ce serait peut-être une bonne idée de regarder si les Woodland Mansion ont été ajoutées ou pas. Oui. Ouais, mais je veux dire dans le plugin. Ah, pas de voir. Bah on se retrouve quand j'ai vérifié s'il y a un truc à modifier ou pas, que ce serait dommage quand même de pas l'avoir. Et voilà, à tout de suite. Nous voici. Le plugin ne donnait pas réellement d'instructions sur est-ce que c'était ajouté ou pas. Donc je me suis servi du slash locate. Je vais pas montrer les coordonnées parce que j'en connais deux qui regardent la vidéo et qui pourrait être tenté d'aller voir celle-là. Du coup, je me suis téléporté voir s'il y avait bel et bien une mention. Je sais même pas comment traduire ça en français. Pas. Si, il y en a une. Genre, elle est emmurée totalement, mais elle a spawn. Du coup, c'est bien. On va... Le mec, il est où le cartographe? Il est là-haut. Ah bah, il est plus là-haut. Il est parti où? Il est là. Je sais pas, il t'aime bien, il a vu que tu tradais. Il faut une boussole aussi. Ah merde, t'as une boussole? Non, mais le libraire il en vend si tu veux. Ah oui. Attends, on peut la crafter, ça coûterait moins cher je pense. Regardez. Combien d'émeraudes? 12. 12 émeraudes? Ouais. Comment dire? Tu vois, non, ça coûte 4 fer et un redstone, je pense qu'on va la crafter. Moi je vais continuer de trade du coup des émeraudes, hein. La quantité de charbon que j'ai pris sur moi, mec, j'ai même pas pris un quart de coffre, j'ai même pas pris genre un cinquième, tu vois, du coffre que... J'ai toujours pas fini de trade, tu vois. Ils sont mais c'est super long de trade. Ah, je me suis éclaté contre le mur, mais une vitesse. N'empêche, c'est bien cette grande pièce. Je pense qu'une fois qu'on aura fini, ce sera assez sympa de se balader ici. Tu sais, avec les différents étages accessibles en Elytra.
Ouais, bah surtout quand on aura fait la grotte, mec. Là, ça sera. Oui, mais c'est justement, c'est ça qui nous permettra de changer d'étage via les Elytra. Du coup, en fait, je suis revenu, mais vu qu'il n'y a pas de table de craft ici, ça sert à rien. Qu'est-ce que toi ? Il n'y en avait pas une chez le libraire ou... Ah si, il y en a peut-être une dans la maison au bout, non ? Ouais, dans la maison au bout, c'est... je pensais aussi. Ouais, j'en ai mis une sur le pied. Ah, cool. T'as vu ? Opec, il pense à tout. C'est un connard, mais des fois, il pense. Il pensait. D'une bonne chaîne YouTube. Je la recommande. Je pense qu'elle est plus connue que la mienne, mais c'est pas grave. C'est jamais, tu sais. Peut-être un des 50 gars max qui regarde la vidéo actuellement. Il va voir et faire ah tiens, je connaissais pas. Peu probable. Mec, peu probable. Je crois qu'il a genre 100 000 vues par vidéo. C'est possible, hein, c'est jamais. Tiens, un compas. Le poulet, tu dégages déjà. Ok, tu m'emmerdes pas. On prend la... Bah, je suis con. La wood. Bah non. Wood, ok. Mec, il allait prendre la océan, on allait faire. Pourquoi est-ce qu'il y aurait une mention en plein milieu de la flotte? À vous. Je sais pas. Non mais à vous, t'allais prendre l'autre au début. J'ai l'impression que toi, on se fout de ta gueule quand même. Pourquoi? Le mec te vend la grosse carte, tu sais, t'as juste à... une mini maison et un point. Ouais, alors... Tu fais payer 22 émeraudes et un compas pour ça? Ça veut dire que c'est au nord de notre position. Voilà. On se retrouve quand on est au nord. ok. Donc premier portail, c'est pas le bon. C'est pas. Ah bah nickel. À côté. Bah on est sur la à peu près sur la même lignée. Après, ça nous en dit pas plus. Faudrait peut-être un passage pour qu'on puisse sortir de cette zone, par contre. Quelle zone ? L'Inde. T'as pris le portail de l'Inde, là ? Oui, oui. Enfin, le portail vers la salle, ok. Je laisse 2 stone brick derrière pour que tu puisses reboucher. Mais je suis là, je suis là. Que j'ai failli tomber là. Merde. Bon bah putain. Alors parti par où? Ça a pas update l'ancien point par contre, c'est bizarre. Mec, j'ai fortune 4, j'ai cassé 2 diamants, j'en ai chopé que 2. J'étais pas bien. Toujours partir direction nord. Peut-être pas trop. Oh putain, j'ai pas pris de flotte. Non plus. Il y a un zombie villageois. T'en fous, non? Ouais, mais je tenais juste à noter qu'il y avait un zombie villageois. J'ai pas pris ma silhouette, j'ai rien pris en fait. Je suis parti en mode YOLO. On y va. On est pressé, on n'a pas le temps. Et heureusement que je l'ai pas chargé la flèche. Waouh. La violence. Mec, il nous respecte pas. D'accord. Ah tiens, un mineshaft. Allez, c'est parti, on monte. Je fais d'artifice, moi. Ah, c'est pas con, ça. Ah, quel connard. Je suis bientôt mort. Je me suis genre éclaté contre le mur. Je suis quasiment mort. Allez. Ropec, tu vas mourir. Non. Ah merde, je viens de le dépasser. Alors, niveau altitude, on est à 39, donc on va remonter déjà.
C'est à peu près à combien? Genre à 80 je dirais une mention. 70. Ah voilà c'est bon. Ah c'est con parce que il y en a un deuxième peu de temps après. Ah merde. Putain. Là je fais des putains d'escaliers hein, histoire d'essayer de me rapprocher. Et ok, 70. Bon maintenant on sait qu'on est sur la bonne ligne. On sait qu'on est à peu près à la bonne hauteur. Donc on va faire des recherches à partir d'ici. Hop là, loupé. Hop là, reloupé. Hop là. Putain, j'y arrivais avant. Me faites pas chier. Vous êtes pas gentil. Vous êtes pas gentil. Faut 2 de profondeur minimum pour que ça passe. Non, ça marche pas. Ah voilà. Alors apparemment, il n'y a pas de bug connu pour les cartes avec le plugin. Du moins d'après ce qu'ils disent. Donc je suis retourné chercher dans le coin, tu vois, en me disant ouais, peut-être que c'est juste très mal indiqué. C'est Minecraft après tout. Là, je suis en plein sur la mention. Voilà, t'es dessus? Ah! Du bois, c'est quoi? Mineshaft. Ah bah si c'est le cas, ils ont changé de design. Ouais, c'est ça, c'est juste en fait qu'ils ont... Putain mec, en fait... C'était pas un bug en fait. Fuck. C'est juste qu'elle est à la limite du groupe de chunk. Que bah du coup je reviens vers toi. Ouais. Ah putain, il y a... Attends, bon. Voilà, je t'attends. À tout de suite. Je vais essayer quand même de fixer la lumière via World Edit parce que t'as plein de torches de partout, mais elles sont pas allumées. Voilà. Bref, on se retrouve. Update. Non, ça... oui, mais faudrait toutes les casser, j'ai la flemme. Quoi tes cordes? Bah tu prends mon tunnel tout droit. Là je suis en moins 1607, 80, 3400. En 3400 en Z. Waouh! Ça s'est allumé d'un coup. Moins 3400 en Z. Ah, ça. La porte! J'ai trouvé la porte! Ouais! Oh cool! Et nous revoici dans... Enfin, devant la porte. Voilà. Ne nous dérangez pas! On parle. World Edit c'est bien, ça a fixé la lumière. Parce que franchement avant on y voyait absolument rien. Je sais pas sur quelle zone il a fixé par contre. J'ai l'impression qu'il a fait sur toute la baraque. Mais faut voir. Du coup on va aller regarder ça. Il y a de la caillasse au plafond, je sais pas si c'est normal. Bonne idée mec. Je pense que c'est une zone en fait où... où il est... enfin où il y a rien de généré. Et du coup, il y a la map qui est restée telle qu'elle. Oh ouais. Aïe. Fais gaffe, il y a des boss. Enfin, il y a des mobs. Enfin bref, je sais pas ce que c'est. Non ! Abîme pas ! Abîme pas ! Oh mec, c'est un invocateur. Dans le but normal. Voilà, il a invoqué les autres. Les mecs, ils font ça des dégâts. Ah, secours ! Être cher putain. Tire les dessus à l'arc. Fais gaffe, t'as un skeleton qui te tire dessus à l'arc. Oh déjà leur hache elle fait mal mec. Mais les pics qui fait sortir du sol c'est tellement violent. Tu l'as buté? Ouais j'ai un totem. Cool.
Ouais, c'était juste une hache en fer. Apparemment, il y a des salles secrètes aussi. Des salles secrètes. Apparemment, il y en a une, ouais. Mais si tout le monde le sait, c'est plus un secret. Non, mais apparemment, elles sont générées, enfin, générées random, c'est d'ailleurs certains murs. Mais tu fais mal, mec. Non, non mec, faut les buter avec looting. Deuxième totem. Récupère les émeraudes. Vu que moi je n'ai plus de place. Ah là tu vois la lumière elle est mal update. Du coup tu fais cette petite commande. Et ça change rien du tout. Mais okay. En plus j'ai eu un gros freeze. Ouais, pareil. Mais ça a pas servi à quoi que ce soit. Bonjour. Oups. Ça fait ça. T'es passé au mauvais moment. Le mec je fais bonjour, il passe devant, il se prend un coup d'épée dans la gueule. Il fait au revoir. Ah mais je croyais qu'il y avait un mob. Putain, j'ai rêvé, j'ai cru qu'il y avait un mob. Ça va, c'est pas trop petit comme lui. Ah tiens, la bannière. Ouais. Elle est belle la vue hein, t'as vu? C'est incroyable. Franchement, 5 étoiles. Fais gaffe. T'as des torches? Ça éviterait peut-être que ça respawn derrière nous. On s'en sert comment des totems par contre? Non les j'utilise pas mec. Comme dit. Ah, je sais, mais on s'en sert comment? Il faut l'avoir dans la main. Ah, et ok, quand... donc si tu l'as dans la main et tu meurs et en fait tu meurs pas, ça. C'est ça, enfin ça te soigne pas très bien disons. Suivant les types de morts, ça va te redonner de la vie mais tu vas remourir juste après. Là j'ai cru que c'était un cul-de-sac. Attends, il reste une pièce là. C'est une chambre secondaire. Puis il y avait un mur de stone que j'ai cassé. Bon. Je viens vers une bibliothèque et une sorte de salle de réunion. Table de craft, tac. Ça a pété, autant s'en servir. Hein. Oh putain, nombre de squelettes. Attends-moi. Foot sighting. J'ai du charbon et non j'ai du fer. Merde. T'aurais pas un lingot de fer, enfin un minerai de fer sur toi? Non. Fuck. Désolé, j'ai... Ah ouais, c'est juste une bibliothèque, j'ai l'impression qu'il y a rien en fait d'autre. Mec il est... Attends, t'es déjà redescendu? Non, je suis en haut. D'accord. Le mec il m'attend que dalle. Attends, il y avait quoi de l'autre côté de l'escalier? Ok, juste des mobs, tant pis. What? Attends, je vais récupérer ton stuff. T'es mort où? Il va one shot! T'es mort où? T'es mort où? En bas de l'escalier. Allez! Que la lumière soit et la lumière fut. Bon, du coup nous revoici, hein. Casse les couilles. Maintenant on a un portail au moins. Ouais. Y'a pas un truc en dessous de ça. Mais mec, casse pas tout. Regarde. Ah. Gaffe. J'ai failli te mettre un de ces coups, mec. Y'a quoi ici? Ah, une bannière, c'est tout. Ah non, il y a un coffre. Pomme d'or, 4 d'or, un seau et quelques fils. Ouais, pour le reste. On est bon. Bon,
Waouh. Ah, pas du tout quand tu tapes. Ah. Pomme de notch, mec. Pomme de notch. Ouais. Sympa. Ouais, ça n'a pas encore été conçu pour ce genre de trajet. Non. Oh putain mec, j'arrive. Je suis mort où à peu près? Casse les couilles, ce jeu. Bref, sur ce on vous dit à la prochaine, portez-vous bien. Et bah et bonne année parce que nous on en fait ça le premier. Et voilà, vu qu'il y a une semaine de décalage entre ce qu'on recorde et ce qu'on poste, et que j'avais pas pensé en fait à le souhaiter l'épisode d'avant, c'est une fois que j'ai fait le montage, j'ai fait ah tiens. Et merde. T'aurais pu le faire en voix off, mec, hein. Ouais, mais ça aurait été bizarre. Bref, sur ce, on vous dit à plus. Bonne année, ciao.